Bonjour à tous, Valérie Renaud pour le blog du bac français. Alors aujourd'hui, on va faire une petite explication de texte d'une pièce qui appartient au mouvement du théâtre de l'absurde, une pièce de Ionesco qui s'intitule Le roi se meurt. Et on va donc voir en 10 minutes, essayer de voir, de balayer un petit peu l'essentiel de ce qu'il y a à voir sur cette pièce. Alors bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'extrait d'une pièce de Ionesco qui s'intitule Le roi se meurt, qui a été écrite en 1962 et qui fait partie de ce mouvement en France que l'on appelle le théâtre de l'absurde. Ionesco, avec d'autres auteurs comme Beckett par exemple et Adamov, eh bien, partage certaines caractéristiques que nous allons voir à l'œuvre dans cet extrait. Alors, le roi se meurt, bien, c'est l'histoire d'un roi qui se meurt, comme le titre l'indique. C'est l'histoire du lent processus de l'agonie et des étapes en fait que l'on doit traverser à l'approche de la mort, du déni hein, de ce qui se passe, de la révolte face à cette perspective, de l'abattement et puis finalement de l'acceptation. Hein, toutes étapes par lesquelles on doit passer avant d'entrer dans la mort. Alors la mort qui est un sujet qui se voit souvent sur les planches, on voit souvent des personnages mourir, mais qui n'a jamais vraiment été pris jusqu'à Ionesco comme thème hein, central de la pièce, puisque la mort par définition est une absence de vie, une cessation d'activité, et la mort donc ne se voit pas. Hein, la mort est difficile à mettre en scène pour un spectateur. Alors on va voir que Ionesco a eu, pour pouvoir la représenter, pour pouvoir la mettre en scène devant un spectateur, a eu une idée tout à fait originale que l'on va essayer d'expliquer en détail. Alors lisons un bout de ces extraits pour commencer. Le médecin. Abdiquez, sire, cela vaut mieux. Le roi. Que j'abdique ? Marguerite. Oui, abdique, physiquement, moralement, administrativement. Le médecin. Et physiquement. Marie. Ne donne pas ton consentement, ne les écoute pas. Le roi. Ils sont fous, ou bien ce sont des traîtres. Juliette. Sire, pauvre sire, sire, pauvre sire. Marie. Au roi. Il faut les faire arrêter. Le roi. Aux gardes. Garde, arrêtez-les. Marie. Garde, arrêtez-les. Au roi. C'est cela, donne des ordres. Le roi. Aux gardes. Arrêtez-les tous. Enfermez-les dans la tour. Non, la tour s'est écroulée. Emmenez-les, enfermez-les à clé dans la cave, dans les oubliettes ou dans les clapiers. Arrêtez-les tous, j'ordonne. Marie, au garde. Arrêtez-les. Le garde, sans bouger. Au nom de sa majesté, je vous arrête. Alors, et nous aussi allons nous arrêter ici pour la lecture. On va montrer donc en deux temps comment Ionesco essaye de figurer cette mort. Hein. Donc, premièrement, il va utiliser un procédé métonymique en montrant le royaume à la place du roi. Et deuxièmement, il fait ça dans un esprit de mélange en fait des genres comiques et des genres tragiques. Alors, tout d'abord, la métonymie. On voit bien que le roi en fait est au centre d'un conflit d'intérêts. Les gens sont autour de lui, le médecin, la première reine, Marie, et la reine la plus âgée, Marguerite, sont autour de lui et lui donnent des ordres. Même le médecin lui donne des ordres, ce qui pourrait être compréhensible si le sujet était médical, mais là le sujet est politique. Hein. Le médecin dit à la ligne 1, abdiquez, sire, cela vaut mieux. Le roi est donc au centre d'un conflit en fait de bipartite hein, entre Marguerite et le médecin d'un côté et Marie de l'autre. Marie qui représente en fait le parti de la vie, de la continuation de la vie, de la poursuite hein, des choses et du commandement en particulier. Le roi prend donc le parti de Marie, le parti de la vie, et entreprend donc de faire ce qu'il doit faire normalement, c'est-à-dire de donner des ordres au personnage de ce garde qui symbolise autant le roi et la tête du royaume, le garde et le bras armé, hein, le corps peut-on dire, du royaume. Mais le garde semble paralysé, semble atteint d'un étrange mal. Il y a entre la tête et le bras eh bien, une rupture hein, de la chaîne de commandement. Que le médecin explique d'une façon un petit peu comique et d'une façon un petit peu décalée et ironique par un virus hein, qui se serait introduit à la ligne 20, dit-il, dans l'armée et qui l'aurait paralysé. Hein, c'est donc une explication matérielle, matérialiste, physique, hein, on peut dire, de ce qui est en train de se passer.
Et dans les lignes suivantes, il y a une autre interprétation, une interprétation donnée par Marie, qui est une interprétation, elle, plus métaphysique, pourrait-on dire. Elle relève du problème de la volonté. Marie, hein, à la ligne 27, dit au roi, ne lui pose pas de questions, ne discute pas, ordonne. Emporte-le dans le tourbillon de ta volonté. Donc c'est la volonté qui serait censée magiquement en fait, engranger avec elle les effets concrets et physiques de son action. Le personnage de Juliette est assez singulier et rappelle celui du cœur antique, la fonction de commentaire en fait de l'action par rapport à la scène. Elle intervient à certains moments précis, par exemple à la ligne 7, avec cette parole un petit peu mécanique de déploration, « Sire, pauvre sire, sire, pauvre sire ». À la ligne 17, elle fait une autre intervention, avec un commentaire un petit peu plus ironique, un petit peu plus humoristique sur le double sens du mot « arrêter », en parlant du garde, c'est lui qui s'arrête. Et dans toute la fin de la pièce, elle aura un rôle un petit peu particulier qu'on va analyser en détail, puisqu'on va s'intéresser maintenant au mélange en fait de tragique et de comique. Alors, effectivement, c'est tragique, on l'aura compris, puisque la mort est inévitable, et donc le roi, malgré tous ses efforts, devra se résoudre à l'inévitable, ce qui est la définition même du tragique. Mais il y a une didascalie qui est à signaler. À la ligne 52, Ionesco dit « Cette scène doit être jouée en guignol tragique », qui constitue un oxymore, puisque le guignol fait référence à ce théâtre pour enfants, proche de la farce, avec des ressorts comiques très gros et très visibles, et tragique étant son exact opposé. On peut aussi noter que c'est une didascalie assez inhabituelle, puisque c'est une didascalie qui empiète en fait sur le rôle dévolu traditionnellement au XXe siècle au metteur en scène. Ici, Ionesco donne le texte de sa pièce et la façon également, par cette didascalie, dont la pièce doit être interprétée. Elle doit être jouée, nous dit-il, en guignol tragique. Dans ce mélange, donc, qui est explicitement dit, ce mélange des genres comiques et des genres tragiques. Alors, ce personnage de Juliette, eh bien, a une fonction tout à fait particulière à la fin de la pièce, puisque... Elle se contente de paroles assez mécaniques, assez convenues. « Vive le roi est mort », qui fait écho à cette parole traditionnelle qui avait cours dans le royaume de France. « Le roi est mort, vive le roi nouveau, son successeur ». Eh bien ici, cette parole reprise par Juliette commande en fait visuellement sur la scène la station debout ou l'écroulement du roi. À la ligne 45, elle apparaît « Vive le roi ». Et lorsqu'elle disparaît à nouveau, nous dit la didascalie, le roi retombe. C'est comme si sa parole, en fait, avait une influence directe sur la capacité du roi à tenir debout. Le roi est mort, vive le roi, et le roi se meurt, et le roi tombe, et le roi se relève. Il y a un jeu, en fait, entre les paroles et ce qui se passe sur scène. Ces paroles des personnages, à la fin, et en particulier de Juliette, mais aussi du garde, peuvent être interprétées comme des didascalies en fait internes aux paroles des personnages, puisqu'elles commandent ce qui se produit ensuite, une seconde ou deux après, sur la scène de façon visuelle. Alors, la conclusion de tout ça, eh bien, elle est tragique, elle, on termine sur une ambiguïté. On termine sur un mieux, effectivement, le roi semble s'être finalement relevé, après, on va s'être écroulé bien des fois. Mais comme dit le médecin qui réintervient avec sa parole de spécialiste à la frontière entre la médecine et la politique, c'est le mieux de la fin, signalant par là que ça n'est qu'une péripétie annexe, en fait, sur un chemin qui est tracé à l'avance, sur le chemin de la mort, et donc sur l'inévitabilité tragique de la mort. Alors, on peut conclure en disant que cette pièce est très originale parce que le sujet en fait, de la mort a été montré d'une façon dont elle n'avait jamais été montrée auparavant, par ce processus de montrer non pas l'écroulement de la personne, mais l'écroulement du royaume, de tous les attributs du royaume. On a donc une utilisation par Ionesco de toutes les ressources de l'art théâtral,
Et aussi, ce qu'il faut noter, ce qui est notoire, c'est un mélange explicitement donné dans la didascalie, mais aussi qui parcourt toute la scène et toute la pièce, un mélange du comique et du tragique qui est une des caractéristiques fondamentales de ce théâtre de l'absurde et une des caractéristiques qui le démarque aussi de toutes les autres formes de théâtre et des autres époques, notamment de l'époque classique où cette coalescence des deux genres était interdite, était prohibée. Bien, et ben voilà, ça faisait 10 minutes, hein. Donc 10 minutes c'est très très court, j'ai dû vraiment faire vite, j'avais des tas d'autres choses à dire. Je vous comprends, cher candidat, lorsque vous dépassez les 10 minutes, mais c'est un signe aussi que vous ne vous êtes pas assez entraîné à être synthétique. Autant l'écrit, hein, à l'écrit on doit développer, autant à l'oral on doit vraiment resserrer le propos sur l'essentiel, et c'est bien compliqué. On se rend compte effectivement en le faisant. Beaucoup de vos profs qui vous conseillent, la majorité je dirais de vos profs en fait, ne pratiquent pas ces exercices. Hein. Ils vous les font faire, mais ils ne les pratiquent pas. Et effectivement, le fait de le pratiquer, bah, ça change les choses. On voit les choses un petit peu différemment, on les voit de votre côté. En tout cas, voilà, entraînez-vous les amis. Alors, autre chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, et d'autre part, si vous voulez voir le texte, eh bien, allez sur le blog et sous la vidéo, je mets le texte que je viens d'analyser ici. Et un petit peu plus tard, quand j'aurai le temps, je mettrai aussi le commentaire composé et rédigé complètement, donc développé de manière extensive. Voilà!